suis Laurent Bruxelles, géoarchéologue et je viens de derrière la colline et je retourne derrière la colline. On est en train de prospecter dans les High Hills. Le matin, là, il fait 7h du mat, il fait bon et on cherche des grottes du lithique, des eaux. Let's go! Marc Jarry, INRAP et Trace. Préhistorien, archéologue, et dans cette mission, mon rôle, c'est de reconnaître, identifier les occupations humaines anciennes ou même plus récentes. Francis Duranteau, Muséum de Toulouse, spécialité paléontologie. Et là, on est en train de prospecter, on ne peut pas être plus près, sur la frontière entre la Namibie et le Botswana, de la recherche de dépôts, en particulier de dépôts karstiques, dans lesquels on pourrait éventuellement trouver des restes de faune et pourquoi pas d'hominidés. My name is Dominic Stratford. I'm a geoarchaeologist. I work from Wits University in Johannesburg, and I'm here with Laurent Bruxelles and his team, and we're here surveying the Aha Hills in Namibia. And it's a fantastic place to work and to find new sites. On est au Botswana, non loin de la frontière avec la Namibie, dans le prolongement oriental des Aha Hills. Et on cherche juste un nouveau morceau du berceau de l'humanité. Et là c'est super puisqu'on a repéré toute une série de petites collines calcaires, ou de marbre, ou de dolomie, ça dépend des secteurs, dans lesquels il y a des grottes. Et donc pour l'instant on est en train de se faire l'œil, donc aller visiter les grottes, aller voir le type de remplissage ou de brèche en surface, pour savoir exactement ce qu'on va chercher ensuite quand on sera en Namibie. Là, on a déposé le projet dans une zone qui est quasiment vierge. Là, on y est, en plein dans les Hills, côté namibien. Cette fois-ci, on est du bon côté de la clôture. Il n'y a plus qu'à trouver les grottes et la brèche. C'est un antilope. Oui. Oryx. Il y a des chasseurs de fantômes, on les trouve.